grâce à une connaissance. Je l'ai effectué au sein de l'entreprise Giffard à Avrillé dans le Maine-et-Loire. Et cette année, j'avais trouvé mon stage pour valider ma deuxième année grâce au career meeting qu'organise Élémie Cardin au sein de l'ICE Nantes. C'est un petit peu un job dating, mais pour trouver des stages et des alternances. Donc je l'avais trouvé par ce biais-là. Malheureusement, l'entreprise n'a pas pu m'accueillir avec la situation actuelle. Du coup, j'ai trouvé un autre stage pour ne pas valider mon année grâce à une connaissance et j'ai effectué mon stage au sein de l'entreprise Auchan à Avrillé. Lors de ma première année au sein de l'entreprise de Giffard, j'étais stagiaire plutôt communication dans l'espace dédié à leur clientèle particulière qui s'appelle l'espace Monde Pastille. Et là, j'étais plutôt axée sur la relation client avec de la communication sur les réseaux sociaux, un parcours de visite et puis de la vente aux clients. Et pour mon stage de deuxième année, donc je l'ai effectué chez Auchan Avrillé, donc c'est un magasin qui est franchisé. Et mon stage a porté exclusivement sur un seul projet, le projet de l'ouverture d'un magasin Drive Piéton. Donc là, j'étais en collaboration avec le dirigeant. Je suis arrivée au moment des travaux sur le site. Donc j'ai pu suivre l'évolution, donc les travaux, la veille marketing, mise en place du plan de communication. Donc c'était vraiment des missions très très polyvalentes et très 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 intéressantes. Mon petit conseil lors de la première recherche de stage, ça va vraiment être de s'y prendre assez tôt, de chercher dans son réseau familial, réseau de connaissances et aussi réseau de l'école, de ne pas hésiter à chercher plutôt en avance pour être sûr de trouver le stage qui te plaira.